de Squeezie, aujourd'hui on se trouve sur Yandere Simulator. Ça fait environ 600 années qu'on n'a pas fait une vidéo sur ce jeu. Elle nous a manqué, on lui a manqué. Ça, je suis pas sûr. Aujourd'hui, messieurs, dames, nouveauté extraordinaire, une nouvelle arme. Vous savez bien que les armes sont sur la droite quand on arrive à l'école, hein. Il y avait donc un couteau, un ciseau, un katana, un cutter, un tournevis. Et maintenant, il y a... C'est pas ici. Et maintenant il y a un seau. Oui, ça pue la merde. Non, c'est excellent, on va pouvoir faire les choses formidables avec ce seau. Parce que quoi de plus discret comme arme qu'un seau? On va le prendre, on va le remplir avec de l'eau. On va redescendre voir tous nos petits copains là qui sont en train de parler au milieu des cerisiers en fleurs, hein. Et on va les brûler. C'est faux. Attention, technique de forme numéro 1. Si vous en avez marre d'une copine à vous, elles sont toutes là en train de se parler. Ouais, t'as vu la meuf, la nouvelle elle est bizarre, blablabla. Ah ouais. Et bah tiens. J'ai pas fait exprès, putain, merde. Ah tiens, on a qu'une qui prend. C'est toujours la même. Oh sérieusement, fais plus attention. Oh. Déjà tu baisses d'un ton. On la suit et là ce qu'on va faire ça va être vraiment génial. On va pas la tuer. On va pas la tuer. Bon, on va la tuer. Elle se dirige vers les douches. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Elle va essayer de se sécher à l'aide d'un sèche-cheveux, peut-être. Déjà, on la voit à poil. C'est toujours très correct parce que, putain, elle a des boobs totalement énormes, cette femme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les photos. On va se régaler. Bon, ça, en vrai, je vais pas vous mentir, ça sert à rien. C'est juste pour notre plaisir. Hop là. Toujours plus de boules. On va la prendre en photo de devant. Hop là. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'en bat les steaks. Vraiment, la meuf, aucune pudeur. On peut la prendre en photo vue du dessus. Ça, ce sera la miniature. Hop là. Ni vu ni connu. Il y a du sang sur nous. On va abandonner l'arme ici. Voilà, juste à côté d'elle, elle s'est suicidée. Hein. Elle s'est bien suicidée en se mettant un coup comme ça. On a déjà vu des gens faire ça. Les samouraïs qui préféraient s'ouvrir le ventre plutôt que de perdre leur honneur. Hein? Putain, merde. Du coup, il faut qu'on se douche. Putain. On se met nu. On se douche vite fait, bien fait. Ok, on s'est douché. Et là, il nous faudra un uniforme nouveau. On va lui voler le sien. Je peux pas. Écoutez, j'ai une autre idée. On va prendre sa putain de dépouille et on va montrer aux autres ce qui va leur arriver s'ils touchent à notre samouraï. Oh mon dieu, j'étais en train de me doucher et d'un coup, j'ai vu cette femme mourir. Oui, je sais, c'est terrible. Et elle m'a mis nu avant de mourir. J'ai pas compris pourquoi. Bon, notre LB a chier. Prison, allez. Voilà, tout a foiré. Ok, ok, ok. Maintenant, la version hardcore. Un putain de bidon d'essence qu'on va verser dans le seau. Ensuite, on prend le seau. Merde, j'ai oublié, il nous manque un truc. Et oui, les amis, il nous faut, avant de pouvoir faire ça, des allumettes pour foutre le feu à l'essence, hein. On peut commander à ce mec mystérieux qui a une putain de tête de pervers des choses, dont une boîte d'allumettes. Et ouais. Mais pour cela, il faut lui envoyer 5 photos de culottes. Tout ça vos appareils. Ouais, la culotte, là, y'a de la culotte, là. Oui, y'a de la culotte fraîche. Oh, bien blanche. Ok, après cette bavée dessus à fond, on va maintenant pouvoir demander une faveur à cet immense pervers. Hop, une boîte d'allumettes, c'est parti. Par contre, je la reçois où? Je la reçois par par Colissimo, par Chronopost ou... Où il les envoie les allumettes, putain? Où sont les allumettes? Oh! Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des putains d'allumettes, mon gars. Et ouais. Le retour de la violence. Je transporte un seau d'essence, mais personne ne se posera des questions et hop là. Putain, c'était de l'essence ou du sang? C'est du sang? Je suis victime d'un complot là. Non mais je sais que je suis chelou, mais là vraiment c'est la vérité. Il y avait de l'essence dans le seau qu'on l'a posé tout à l'heure. Qui a mis du sang dans ce seau? Mec, il y a une autre Yandere qui a voulu me piéger là. Ça part en couille, moi j'arrête. Après elle va débarquer ici, elle va vouloir nous buter. On arrête tout. C'est reparti pour prendre des culs en photo. Pardon, excusez-moi. Ok, 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 on se calme, on a de quoi demander les allus. Deux? Mais j'en ai envoyé 5. Ah, le mec il me douille en plus d'être un gros pervers. Ok, on a les allumettes. Ok, on a l'essence. Pardon. Ok, on a l'essence. Oh pardon, je transportais de l'essence, c'est pas pourquoi, mais en tout cas je suis pas coupable. Quoi, ça sent quoi? Ça sent l'essence? Ouais, c'est ça, petite FDP. Et maintenant? Oh merde, elle s'enfuit. Viens là. Elle est partie par où? Ok, on la voit, on la prend en filature, on va la brûler, on va la brûler. Brûle. Hein? Brûle. Mais non. Non, pas, non, faut pas qu'elle rentre dans le bain. Non, j'ai toujours le temps, j'ai toujours le temps. Oh, 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 criant, un truc est tombé, en plus elle brûle. Oh, c'est Satan, il est là, il est avec nous. Alors elle brûle dans de l'eau. C'est adorable. Mais elle est un peu posée quand même, quoi, elle brûle. Elle s'inquiète pas trop. Ah, elle a sa petite carte vitale, son petit... Brûle. Non mais c'est sérieux là. Non mais déjà je tiens à dire, parce que je suis physicien à mi-temps, l'essence ça brûle quand même dans l'eau, hein. C'est pas parce qu'il y a de l'eau que ça éteint l'essence qui brûle, hein. Mais putain, mais je vais la buter. Mais laisse-moi au moins te faire une petite cicatrice. Juste une allumette, une petite cicatrice. Une allumette, c'est parti. Allez. Non, non, mais là j'accepte pas là ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait tu vas... Non, 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 mais tu vas pas te changer. Mais tu crois que tu vas partir incognito, vas-y. Pars, pars, vas-y, tiens, tiens.
Très bien, j'ai compris. On va la jouer plus discret et plus facile. Ici, nous avons des poids. On va les mettre dans ce seau. Voilà, on les a maintenant, les biceps. Alors maintenant, avec ce seau, on va aller sur le toit. Vous savez comment ça va finir? Tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait au téléphone? Dis donc, c'est pas bien, ça. Hop, je vais lâcher ce seau ici. Oh là, hé! Lui fais pas bouffer tout. Elle lui met des coups de genou pour l'achever ou elle la sauve, là? Elle s'allonge avec. C'est hyper malsain. Tu vas appeler la police? Bah appelle la police. Moi j'étais en train de discuter avec mon ami Stéphanie. Mon ami Stéphanie. Oh là là, je transporte encore de l'essence et... Oh non! Oh, je suis tellement désolé. Pardon, je transporte des allumettes et... Oh non, attention! Merde. Non, ça a encore foiré. J'en ai marre. Tu vas brûler. Maintenant on anticipe. Quoi? Là on a le temps. C'est parti. Et burn it up, 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 burn it up, 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 I'm on fire! Oh, j'aurai au moins 10 j'aime sur cette photo. 800 j'aime pour cette photo de coconut qui brûle. 10 000 pour celle-ci parce qu'on voyait mieux les boobs. 100 000 pour... C'est pas steak, sauf boobs. Ah non, c'est la cuvette des chiottes, pardon. Je suis fakir, je marche sur le corps de coconut tout brûlé. Ah. Allez, viens avec nous. What's up, les filles? Voici ce qui vous arrivera si vous essayez de pêcher au senpai. Que ce soit clair. Voilà, si vous avez faim, vous pouvez taper dedans, c'est moi qui offre. Hop là, je prends le seau et j'ai... Salut, je pense qu'on devrait faire un spectacle de magie toi et moi. Eh ben j'en suis déjà fan de cette vidéo sur Yandere Simulator. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Et si vous voulez taper dans un petit mollet cuit de coco, je sais plus comment ça s'appelle. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On termine sur cette merveilleuse image du corps brûlé. C'est affreux. On va quand même garder une petite photo souvenir pour montrer qu'elle a voulu faire l'inverse de Michael Jackson. Elle est passée de blanc à noir. Pourquoi faut toujours qu'on finisse sur une blague de merde? Allez, à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous dis à tout le monde, peace.